لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين شفر بيان أمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nous voilà dans le mois béni du Ramadan, un mois cadeau qu'Allah nous a offert et le mois est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Chers frères en islam, je vous invite à vous prendre plus au sérieux, à donner le meilleur de vous-même pour gagner les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs durant ce mois béni. C'est vrai que Allah fait descendre sa miséricorde. Il est vrai qu'on a appris à travers des enseignements du prophète que chaque nuit de Ramadan, Dieu prend une portion de personnes qui étaient destinées à l'enfer pour faire d'eux des habitants du paradis. Mais ceci n'est pas une raison que l'on reste les bras croisés. Allah veut nous voir en train de sacrifier nos personnes pour lui vouer un culte sincère, de montrer un engouement sérieux, tout comme quoi nous voulons vraiment, disons, sa satisfaction. Ceci est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il disait à ses compagnons, « Ragima anfun, thumma ragima anfun, thumma ragima anfun », ce qui signifie « malheur à lui ». Malheur à lui, qu'il lui arrive malheur. Mais les compagnons n'en revenaient pas. Ils ont dit, ya Rasulallah, au messager de Dieu, qui est celui-là hein, à qui vous souhaitez le malheur trois fois? Il dit, man dakhala ramadan summa sarafa wa lam yughfaru lahu. Il dit, c'est celui à qui Dieu a permis de vivre ramadan. Il est entré dans le mois de ramadan, mais du fait de sa négligence, le mois est terminé sans qu'il ne soit pardonné. Il n'a pas pu obtenir le pardon d'Allah durant le mois. Celui-là, malheur à lui. Ah oui, c'est normal qu'il lui arrive malheur, puisque Allah lui a donné cadeau et il a refusé de prendre. Mais comment faire pour avoir la satisfaction d'Allah? C'est d'œuvrer en toute sincérité, chers frères en islam, de chercher à plaire à Allah, à éviter les interdits et à observer toutes les règles autour du jeûne. Nous savons que le jeûne consiste à s'abstenir de manger et de boire du matin jusqu'au soir et s'abstenir également des relations charnelles. Mais le tout ne s'arrête pas là. Il y a le fait que tout le corps en général jeûne également. Nous devons savoir baisser le regard. Quand on sort, il ne faut pas envoyer nos yeux comme des phares. Tout ce que nous voyons comme haram, nous regardons. Il faut éviter également de toucher ce qui est haram. Il faut éviter de mettre pied là où il y a haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yada qawl az-zur wal amal bi falaysa lillahi khaja min an yada ta'amahu wa sharaba. » Quiconque n'abandonne pas le mensonge, quiconque n'abandonne pas la médisance, quiconque n'abandonne pas la calomnie et le faux témoignage, etc., tous ces défauts qui sont liés à la langue, Dieu n'a nullement besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson, soi-disant qu'il jeûne. Le jeûne, c'est Allah seul qui sait ce qu'il prépare au jeûneur. Il y a un hadith qudsi, c'est-à-dire un enseignement prophétique à travers lequel c'est Dieu lui-même qui parle. On appelle ça un hadith divin. Allah dit Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizibi. C'est-à-dire toute œuvre de l'être humain lui appartient à un quota donné, excepté le jeûne. Le jeûne m'appartient. C'est Allah qui parle et c'est moi seul qui sais ce que je réserve au jeûneur. C'est tout comme si on a demandé à Allah, mais pourquoi? Il dit, innahu yada'a ta'amahu wa shahawatahu wa sharabahu min ajli as-sawmuli wa an ajizibi. Il dit, l'homme abandonne sa nourriture, il abandonne sa boisson, il abandonne un certain nombre de désirs durant la journée, rien que pour me plaire. C'est pourquoi je fais du jeûne mon affaire et c'est moi seul qui sais ce que je réserve du moins au jeûneur. Et il dit, le sa'im farhatani yafrahuma, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Le jeûneur a deux joies qu'il partage chaque jour que Dieu fait. La première joie, c'est lorsque l'heure de la rupture s'approche. Du long de la journée jusqu'au soir, hein, un peu avant le coucher du soleil, il y a une joie qui anime le jeûneur. Parce qu'il se dit tout à l'heure, je vais rompre, je vais devoir m'étancher et boire de l'eau. Et la deuxième joie, c'est le jour où il va rencontrer son Seigneur et que son Seigneur va lui donner les récompenses liées à ce jeûne. Il sera plus que surpris. Donc, chers frères en islam, faisons de gros efforts pour ne pas faillir
pour ne pas laisser le mois passer. Tel que vous voyez, les jours passent, le temps passe comme un film, ça c'est vite. C'est vite fait, vous allez voir, bientôt on se dit, nous sommes à la fin du Ramadan. Si vous négligez, vous ne profitez pas, ça fait tant pis pour vous. Allah quand même a déjà tout fait pour vous aider. Parce que Allah ne nous a pas créés pour nous voir souffrir. Il ne nous a pas créés pour nous jeter en enfer. Allah nous a créés pour nous éprouver. C'est pourquoi il a créé la vie et la mort. Il dit Allahu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dieu a créé la mort et la vie pour éprouver ses serviteurs et voir qui parmi eux sera meilleur en matière d'œuvre. Donc nous sommes soumis à un examen dans ce bas monde. Et cet examen, il faut qu'on réussisse. C'est pourquoi chaque fois nous avons l'habitude de nous plaindre du shaitan. Quand l'homme fait un gâchis, il dit c'est le Satan qui m'a poussé. Allah a dit venez m'adorer dans un mois sans Satan. Durant le mois de Ramadan, dès le début, Allah ligote le shaitan. Le shaitan est il est attaché, il est ligoté jusqu'à la fin. Il n'aura sa liberté qu'après Ramadan. Donc, quand vous voyez quelqu'un déconner, ce n'est plus le Satan. C'est lui-même qui sera en ce moment son propre Satan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc la compréhension et surtout la mise en pratique. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim, wa tub alayna, innaka anta at-tawwabur rahim.